Yo les amis, c'est The News Naruto. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo détente. Par contre ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude hein. Mais de toute façon on va faire quelques combats sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 sur PlayStation 2 hein. J'aurai l'occasion de vous parler d'une petite chose. Rien de grave hein, je vous rassure. Oui je vais faire charger. Et avant je vais lancer un combat. Donc je vais tout faire aléatoirement, je vais pas choisir mes combattants. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de regarder les commentaires parce que vous m'avez envoyé des commentaires de perso. Bon, je les avais lus, mais là sur le coup, franchement, je vous le dis, hein, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les persos et tout ça, même si j'aurais dû m'organiser, certes. Et là, malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc on va faire ça aléatoirement et ce sera une Temari contre une Taiyuya ou. Une petite aire de revanche, comme j'ai envie de dire. Bon, on va prendre quel terrain? Alors, un terrain que j'ai pas l'habitude de jouer d'ailleurs. Alors, on va voir. Tanzaku, tour de gain, on a déjà joué sur une de mes vidéos. Allez, le désert. Donc, comme ça, hop. Ok, pour provoquer, c'est. Pour faire plutôt sa technique spéciale, il faut faire une provocation. La provocation, il faut maintenir la flèche du haut pour. Pour réussir une provocation et peut-être déclencher cette technique spéciale, d'accord. Alors, je voulais vous parler d'un fait qui s'est passé sur ma chaîne. Hein. Je pense que vous n'avez pas pu rater. J'ai passé la barre des 400 abonnés. Bon, je vais pas faire une vidéo spéciale hein, parce que je pense que. Encore je pense pas que je vais faire une vidéo à chaque fois à tous les 100 abonnés. C'est pas. Encore C'est pas l'intérêt. Mais quand même, merci à vous d'être fidèle à ma chaîne, hein, de ne pas surtout de vous désabonner. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Merci à vous quand même. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Bon, elle me saoule par contre. Alors, je vais essayer de me concentrer. C'est pas évident de parler et de jouer en même temps. Hop, le coup de grâce. Et une petite provocation peut-être. Voilà, robe de vent. Et la tête. En plus, une tête en mode éveil. Pas de soucis. Donc franchement, merci à vous de me suivre. Hein. Maintenant, on est 405 à l'heure où je vous parle. Donc merci à vous. Je réfléchirai pour un projet 500 abonnés. Si c'est en cours de réflexion, je n'ai pas précisément de projet en tête. Ok. Bon, j'appuie sur carré. J'ai pas de projet en tête. Là, c'est vrai que je suis en pleine réflexion. Mais ça fait 3 fois. Hein. Et voilà. Je recharge mon chakra. Donc je vais réfléchir à un projet 400 abonnés, hein. 500 abonnés. Donc quand même, entre temps, j'espère les avoir passés, parce que c'est vrai que c'est un peu prétentieux de penser aux 500, alors que peut-être je n'y passerai pas. Donc je me méfie quand même. Hein. Comme on dit, on ne sait pas ce qui peut se passer sur YouTube, mais bon. Comme on dit, si j'ai confiance en moi, ça peut passer. Et... au passage, Taiyuya, je l'ai fumé comme un Marlboro. Oh, c'était pas drôle. Ce n'était franchement pas drôle. Mais bon. Cette Taiyuya peut déjà retourner sur sa tombe. Donc on va faire un rond. Shino, alors si c'est Kankuro, je serais mort de rire. Ah non. Ah, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai n'importe quoi, mais... c'est Shino contre Neji. Neji grand d'ailleurs. On va s'affronter grotte de cristal. Hein. Alors au passage grotte de cristal, c'est censé être le repère de l'Akatsuki, ce qui me fait bien rire. Mais bon. Ce n'est pas tellement grave. C'est dommage que dans ce jeu, il n'y a pas des mini-jeux comme dans Ultimate Ninja 3. Sinon je vous en aurais bien fait un avec plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai besoin de me concentrer. Ah, je croyais que c'était ma technique qui était passée. Un petit tourbillon divin. Bon, alors j'appuie, allez sur rond. Allez hop. Eh mais il y a un moment donné, c'est pas possible. Ah voilà. Alors je lui ai pris un peu de chakra ou un peu de vie, je sais plus l'effet de la technique en question. Alors moi, scarabée, d'accord. Ouh là là, il a failli me fumer au passage. Ah, le fumier. Alors, je sais pas ce que je suis en train de foutre.
Bon, je suis plus en... je suis pas en mode carbé, donc j'ai peut-être... Ah, bon, attends. Alors, attendez. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, on appuie sur rond. Rond. Voilà. Je vais en profiter pour passer en mode carbé. Tiens, tout de suite. Ouh là là, là, je prends cher. Ah, là, parfait. C'est lui qui prend cher, là. Allez, tiens, dans ta face. Allez, tiens, je trouvais que j'ai pas une force de mouche. Et bam, un Bijou Dama, Genki Dama, version insecte. Elle enchaîne Shino. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est lent. Depuis qu'il est... Flûte, bon bah... Ok. Allez, tiens, insecte. Allez, j'enchaîne. Non, 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 je te laisserai pas faire ton fond en soupe. Allez, 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 allez. On va finir par... Mais il va pas me laisser faire ma technique spéciale, hein, ce fumier. Ce fumier. Bon, il me gonfle, là, allez. Alors, laisse-moi recharger mon chakra. Oh là là. Ça va pas être possible, apparemment. Allez, on va le finir comme ça. Au taijutsu. Je vais pas perdre mon temps à essayer de placer l'ultime, hein, parce que c'est plutôt la technique de renversement, parce que la technique à mode éveil, je l'ai fait. Je l'ai faite plutôt. Oh, décidément, j'arrive pas à parler. Donc, ça fait depuis combien de temps? Ouais, 6 minutes, je pense qu'on peut en faire. Peut-être, bon, allez, 2 ou 3. Si c'est pas tellement long. Alors, Kankuro, on va d'accord. Contre. Ok, ok. Les frères et sœurs qui s'affrontent. Alors, quel terrain je n'ai pas joué? Falaise, ouais. Allez, la plaine d'azur, un bon terrain plat. Temps de combat illimité, difficulté, on va l'augmenter. Je suis un ouf, je suis un taré du slip. Martelé, je vais faire plutôt une rotation. L'handicap est parfait. Voilà, je pense que j'aurais dû augmenter la difficulté. D'ailleurs, vous me l'avez demandé. Putain, mais décidément, je n'arrive vraiment pas à parler. Hein. Vous m'avez demandé d'augmenter la difficulté. Donc c'est vrai que la difficulté de base est vraiment chiant, mais alors là, je n'avais vraiment pas fait gaffe. Donc là, les Marinettis dans ce... Si vous n'avez pas les jeux sur PlayStation 2, les Marinettis sont pas du tout pareils comme sur... ils se jouent pas de la même manière que sur Génération, sur Storm 2. Hein. Oula, ben ça, je suis en train de le fumer. Alors, je vais recharger mon chakra. Allez, lâche-moi. Ah oui, c'est vrai que t'es Marie. C'est une bonne adversaire là. Hein. Elle est vraiment chiante. Ah, y a rien avec sa provoque. Ah, il me semblait. Ah, même ça, ouais, c'est tension. Ah, au passage, j'ai pris cher. Ouh là là, mais elle est vraiment balèze cette t'es Marie. Hein. Ah, jeune ou grande, elle est vraiment balèze. Ouh là 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 là, et là je prends vraiment cher là. Donc on va peut-être se concentrer. Parce que là, c'est pas la difficulté. C'est pas la difficulté de tout à l'heure. Ah. Ouh là, et franchement, je me fais, mais alors, tartiner. Je me fais viol. Allez, enchaîne, allez. Voilà, non. Allez, dégage. Mais elle est vraiment chiante là. Allez. Oh putain, et là j'arrive vraiment pas. J'arrive pas là. J'arrive pas, elle m'empêche de me battre. Ah, elle me saoule avec son éventail, elle aussi. Ah non, là, franchement, là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas, je déclare forfait. Ah, enfin! Allez, on fuit! On va dégager de là!
Allez, je suis déterminé. Oui. Allez. Allez, je spam. Ah non. Oh punaise. Oh punaise, j'ai pris vraiment cher au début. Ah mais je me suis bien fait tartiner. Mais ensuite là j'ai voulu me rattraper, mais là c'était trop tard. C'était trop tard. J'ai joué le con plutôt. Donc tant pis. En plus ça m'a bien agacé avec son éventail. C'était franchement impossible. En plus avec Kankuro. C'était chiant. Un Rock Lee grand, ok. Et un deuxième Hokage. Ouh, ce combat promet d'être intéressant. Allez, franchement, je n'y arrive pas. Allez, on va plutôt se concentrer sur le combat parce que là, la difficulté étant diabolique. Et qu'en plus, ça fait un bail hein, que j'ai pas joué, je vous l'avoue. Même à Génération, ça fait depuis des siècles. Parce que franchement, Génération, ça m'a un peu sorti par les narines avec ces différentes manières de jouer. Ça m'a un peu dégoûté. Et franchement, j'arriverai pas. Hein. Et la tête. Allez, tombe dans le trou, là, le deuxième Hokage. Espèce d'Hokage inutile. Non. Bah tiens, Ah bah vas-y, l'Hokage inutile. Et voilà. Ça t'apprendra à tomber dans le trou. Allez, maintenant tu sais qui le patron, tu sais c'est qui le maître en taijutsu. Rock Lee. Ah non, j'allais ouvrir les portes. Fais gaffe, hein, je suis cousin de Bruce Lee, moi. Oh punaise. Allons, on ouvre les portes. Non, c'est pas bon. Allez. Tiens, t'es invisible. Oh, mais c'est quoi ce délire? Je tombe dans le trou avec lui, là. Oh non, c'est pas possible. Allez, on va se concentrer, parce que là... Ouh là, non. Oui, allez le Hokage là, tombe dans le trou. Non, oui. Oh non, bah tiens, franchement le deuxième Hokage il adore tomber dans le trou. Hein. Ah non, j'ai plus de chakra, arrête. Allez voilà, j'ai permute. Ah là, par contre à ce jeu là le deuxième Hokage ne pouvait pas me rivaliser. Oula, franchement là je prends cher. J'ai pas un objet en particulier, non, j'ai des shurikens. Ouf. Oh non, quand j'ai ouvert les portes, je suis en train de me faire carboniser là. Allez, voilà. Oh là là, je suis en train de perdre de la vie. Allez, c'est vraiment chaud. J'enchaîne et voilà, j'ai gagné qu'une goutte de vie. Ah, ce que j'adore par contre, c'est que quand on passe, bah par exemple en mode éveil, bon ça c'est un mode un peu particulier parce que il faut faire une provocation. Et bah là, on perd de la vie là. Par contre, il y a un facteur risque qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça que j'aime bien. Dans ces jeux-là, que ce soit Ultimate Ninja 3. Ultimate Ninja 5 ou le 4 d'ailleurs, franchement c'est très intéressant. C'est dommage par contre qu'ils le mettent pas dans Storm 3, mais bon, il y a déjà un petit désavantage, c'est qu'on perd un peu de la barre de chakra, hein. Donc pour moi c'est déjà une très bonne chose. Donc on va faire un dernier combat avant de se quitter, hein. Je pense que on en a fait déjà pas mal, hein. Je vous ai annoncé juste un petit truc, donc voilà. Allez, oh non. Alors j'ai même pas appuyé sur X là, bon. Kabuto, ok. Et ce sera qui l'adversaire? Anko. Ouh là 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 là, décidément. Anko Kabuto, c'est pas commun ça. Au faubourg de Tanzaku. Ok.
Ah, Kabuto, lui, c'est classique, c'est Y, triangle rond, pour habituer à la Xbox. C'est triangle rond pour faire la technique Salut Tom, spéciale. Kaishi! On va voir. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Ah non! Ah ça c'était vraiment chaud là! Ah c'est rare que je perde à une de ces batailles mais... Là! Allez, j'abandonnerai pas! C'est ça mon Minto! Allez! Non! Eh, franchement les balaises là. Là franchement, je m'incline face. Ah j'ai cru que je m'étais protégé. Bah dis donc, elle est bien balèze là en co, hein. Ouh, elle m'a brisé la garde. D'ailleurs, il y a une brise garde, non, je vais me... Ouh, elle m'a fait son du dessous là. Au point de vue serpent spectral, j'ai vraiment pris cher. Ah ouais, par contre là son ultime lui bouge du chakra. D'après ce que je vois. Non non, ah punaise, elle a pris son chakra là. Ouh mais qu'est-ce que je... Allez j'enchaîne. Ouh là là, allez. Allez, on va pas se quitter sur une défaite. Ah non, non, tu passeras pas en mode ultime. C'est moi qui te le garantis. Ah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. J'essaie de recharger mon chakra. Endors-toi! Voilà, endors-toi! Faut pas que je perde, là il faut pas que je perde, c'est déterminant là! Ouh là non là, ça va être chaud, ça va être chaud, hein, je vous le garantis! Ça va vraiment être chaud! Ouh là là, et si je me fais toucher ne serait-ce qu'une seule fois, je suis mort! Oula, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud là. Allez Maline, allez Maline. Ah franchement la difficulté de ce jeu est intéressante. Allez. Ça va être chaud, ça va être chaud. Jusqu'à la dernière seconde, ça va vraiment être chaud là. Et voilà, j'ai gagné. Ah là là, franchement, j'ai profité parce qu'elle avait vraiment plus de chakra. C'était chaud, c'était chaud. Donc, bah voilà, on va se terminer avec cette victoire hein, de Kabuto Yakushi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un très grand plaisir à le faire. En plus, que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de faire cette vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié comme moi. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde !